Bonsoir à tous, bienvenue à notre rencontre ce soir de l'école du sabbat annexe. J'espère que vous avez passé tous une bonne semaine sous le regard béni de Dieu. Et c'est toujours avec un véritable plaisir que nous nous retrouvons pour étudier, connaître, découvrir ce que Dieu a à nous dire. En tout cas, bienvenue et bon sabbat à tous. Pour commencer notre rencontre de ce soir, nous allons chanter avec Carole au numéro 251 du hymne. Et louange, numéro 251. Pour nous, la vie est un voyage. Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une belle semaine sous le regard de Dieu. Je vous souhaite un bon sabbat. Comme l'a dit Charles, je vous invite à chanter avec moi. Vos micros sont fermés, mais nous chantons tous ensemble. Pour nous, la vie est un voyage. On y va. Pour nous, la vie est un voyage. Nous marchons au séjour divin. Déjà, nous voyons le rivage. Notre épreuve touche à sa fin. Amis à la terre nouvelle, voulez-vous venir avec nous? Hâtez-vous, Jésus nous appelle. Oh, puisque Jésus nous invite dans son doux, ineffable amour, suivons-le, suivons-le bien vite, marchons au céleste séjour. Amis à la terre nouvelle, voulez-vous venir avec nous? Hâtez-vous, Jésus nous appelle. Et c'est parfois l'épreuve amère accable nos cœurs abattus. Pensons à la nouvelle terre, pensons à l'amour de Jésus. Amis à la terre nouvelle, voulez-vous venir avec nous? Hâtez-vous, Jésus nous appelle. Merci à tous. À tout à l'heure. Merci Carole. Donc nous allons incliner la tête et prier pour demander à Dieu sa protection, cet esprit au cours de ce programme. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous au cours de cette semaine. Tu nous as surtout gardé ce souffle de vie et tu nous permets d'être présents ce soir pour pouvoir connaître ta parole et l'approfondir. Bénis tous ceux qui participeront à ce programme et que ton Esprit Saint puisse diriger toutes les choses et que tout ce qui soit dit puisse être touché chacun et que chacun puisse toujours continuer à marcher fidèlement sur ta volonté. Nous avons une pensée pour ceux qui sont malades, ceux qui souffrent, mais passe ta main puissante et guérisseuse sur eux et apporte-leur ce soulagement et qu'ils gardent en eux qu'il y ait une espérance que tu reviens bientôt chercher tous tes enfants et que nous serons bientôt délivrés de toutes ces souffrances de ce monde. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. T'avons prié de ton Fils pour ta gloire. Amen. Donc, cette semaine, nous continuons comme d'habitude et l'instruction du manuel d'église. Et cette semaine, nous allons découvrir deux départements au niveau du fonctionnement de l'église adventiste du septième jour. Et cette semaine, nous voyons les communications et l'éducation. Donc, ce sont deux départements que nous allons découvrir en ce soir. Alors, les communications.
Le ministère des Communications nécessite le soutien de tous les laïcs et employés de l'Église, ainsi que de ses institutions. Le département des Communications favorise la mise en œuvre d'un programme sérieux de relations publiques et l'utilisation de toutes les techniques modernes de communication, de techniques de pointe durable, ainsi que de tous les médias pour la propagation de l'Évangile. L'Église élit un secrétaire à la communication et, le cas échéant, un comité de l'éducation. Nous devons utiliser, et c'est Mme White qui le dit dans le livre Testimonies for the Church, volume 6, page 36, et elle dit, nous devons utiliser tous les moyens légitimes autour de nous. Utilisons la presse et toutes les formes de publicité pour attirer l'attention sur l'œuvre. Et elle écrivait ça au début des années 1900. Et aujourd'hui, ce texte est encore plus d'actualité. Ça veut dire là, quand elle parle toute forme, ça veut dire tout ce qui existe. Et aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux, nous avons la plateforme Zoom, nous avons YouTube. Tous ces moyens doivent être utilisés par tous pour propager l'Évangile. Ainsi, je pense aussi à WhatsApp, tous ces Instagram, toutes ces petites choses qui permettent de communiquer. Nous devons les mettre au service de l'évangélisation. On trouvera des moyens pour atteindre les cœurs. Quelques-unes des méthodes employées dans la cause de Dieu seront différentes de celles utilisées autrefois. Elle avait déjà cette vision, et elle le dit dans le livre Évangéliser, qu'il y aurait des moyens nouveaux, innovants, qui seraient mis en place pour annoncer. Donc, n'hésitons pas d'utiliser tous ces moyens de communication dans le but unique de propager l'Évangile. Et dans ce monde aujourd'hui troublé par la COVID-19, où plusieurs messages sont vraiment lancés au niveau de la COVID-19, essayons de nous-mêmes, parce que je souhaite que Jésus me dise que si chaque Adventiste du septième jour envoyait chaque jour un message concernant le message des trois anges, le monde entier serait déjà un peu bouleversé. Donc, réfléchissons, voyons la manière que nous fonctionnons avec les réseaux sociaux pour pouvoir propager cet évangile, ce message des trois anges. Mais voyons plus spécifiquement le responsable des communications. Le responsable des communications doit être une personne aimant les contacts humains, apte à représenter correctement l'Église, dotée d'une bonne capacité de jugement, de talent organisationnel, de bonne capacité rédactionnelle et de la volonté de mener à bien ses missions. Le responsable des communications recueille les informations de l'Église et les diffuse auprès des médias locaux, collabore avec le directeur de la communication de la Fédération et présente périodiquement ses rapports à l'Assemblée administrative. Le département des communications de la Fédération propose une formation adéquate à ce poste et est prêt à offrir son aide aux responsables des communications. Le pasteur est le premier responsable du programme des communications de l'Église. Il travaille en lien étroit à l'aide de ses conseils avec le responsable ou le comité des communications. Tout département ou organisation auxiliaire de l'Église peut nommer une personne chargée de fournir au responsable ou au comité des communications des informations sur ses activités dignes d'être rendues publiques. Il est important aussi qu'un comité des communications soit mis en place. Dans une grande Église, le comité des communications peut être l'organe le mieux placé pour maîtriser les nombreuses facettes des relations publiques et du programme de communication de l'Église. Celle-ci élit ce comité dont le responsable des communications assume la présidence. Les membres de ce comité peuvent se voir affectés des responsabilités particulières en matière de communication, comme le travail avec la presse, les activités de production pour les médias et de webmaster, ainsi que les communications ecclésiales à usage interne. Si une institution d'Église se trouve à proximité, Un membre de son équipe des relations publiques ou des communications doit être invité à siéger au sein du comité. Le comité central des communications. Si plusieurs églises d'une même région décident d'établir un comité central des communications, le responsable des communications de chaque église doit en être membre et travailler dans le cadre d'un plan général harmonisé, servant à mieux coordonner le traitement des informations et les autres activités pour les médias des églises adhérentes. L'établissement d'un tel comité se fera à l'initiative du directeur des communications de la Fédération.
Ces réunions seront convoquées par un président choisi au sein de ce groupe qui les présidera. Donc, voilà ce qui est demandé au niveau des communications. Ce département est un département important de la communauté, de chaque communauté de l'Église adventiste, car c'est ce département qui mettra en relation tous les événements qui se passeront dans l'Église. C'est ce département qui sera en charge de faire la publicité, de transmettre ce message. Et surtout, c'est un département qui incite chaque membre à pouvoir communiquer et à transmettre le message toujours de l'évangélisation. N'oublions pas que, quels que soient les départements qui composent l'Église adventiste du septième jour, la mission, la première mission, l'unique mission, c'est l'évangélisation. Est-ce qu'il y a des questions avant que je puisse continuer et que nous passions à notre deuxième département de ce soir, qui est le département de l'éducation? Y a-t-il des questions? Sinon, je continue. Alors, l'éducation, c'est quelque chose que l'Église adventiste du septième jour tient énormément à cœur. Et vous verrez ce soir que le chapitre est un peu long, mais c'est pour des raisons spécifiques, parce que l'éducation est quelque chose d'indispensable dans l'Église adventiste du septième jour. Les entités de l'Église gèrent un système scolaire allant de l'école maternelle à l'université. Elles ont pour objectif de transmettre aux élèves et étudiants les idéaux, croyances, attitudes, valeurs, habitudes et coutumes de l'Église. L'éducation adventiste favorise la recherche d'une connaissance authentique de Christ, le désir de le prendre pour modèle dans le développement du caractère de chacun, ainsi que la communication et la relation établie avec le Seigneur par l'étude et le service. Ça, c'est la mission de toutes les entités et au niveau éducatif de l'Église adventiste du septième jour, de la maternelle jusqu'à l'université. Voici le but principal. Dans chaque Église est nommé un secrétaire de l'éducation. L'Église élit un secrétaire à l'éducation pour promouvoir l'éducation chrétienne et lui chercher un vaste soutien. Ce secrétaire est membre du comité exécutif de l'association du foyer et de l'école avec laquelle il coopère dans son travail. Toute église dotée d'une école établit une association du foyer et de l'école ayant pour objet l'éducation parentale et l'unité du foyer, de l'école, de l'église, dans leurs efforts pour donner aux enfants une éducation chrétienne. Les parents d'élèves, les bienfaiteurs de l'école et les membres d'église doivent être encouragés à prendre une part active à l'association. Les responsables de l'association du foyer et de l'école seront son directeur, le directeur adjoint, le secrétaire trésorier, le bibliothécaire, ainsi que le secrétaire à l'éducation de l'église locale, pour en assurer la continuité. Certains de ces responsables doivent être élus pour un second terme. Tous doivent être membres d'église. Le directeur de l'association sera un membre d'église ayant une expérience réussie dans l'éducation. Ce doit être une personne ouverte aux idées nouvelles, convaincue par ailleurs de l'importance de l'éducation chrétienne. Le secrétaire trésorier tient les livres de l'association et fait son rapport au directeur du département de l'éducation de la fédération au début et à la fin de chaque année scolaire. Les fonds de l'association sont transmis par le trésorier de l'église ou de l'école, placé sur un compte distinct et vérifié conformément à la politique de l'Église en la matière. Avant de continuer, juste une petite parenthèse. Certains pourraient se demander pourquoi au niveau du manuel d'Église, on parle et au niveau d'avoir une école d'Église, tout ça. Chaque Église, normalement, est encouragée à avoir une école. C'est vrai que les choses ne sont pas évidentes, faciles. Mais au niveau de l'institution, le souhait, c'est que chaque église ait au moins une école. Et c'est pour cela que vous voyez, on voit apparaître dans le manuel d'église, la partie éducation, comment avoir une école et comment cette école fonctionne. Tout ceci pour transmettre ce message et l'éducation vraiment importante. Et aujourd'hui, où nous voyons où il y a beaucoup de philosophie humaine et qui enseignait dans l'école publique, il est important que nos enfants reçoivent une éducation spéciale, stricte, une éducation chrétienne spéciale, adventiste du septième jour. Quand nous les préparons, nous préparons des âmes, des enfants,
pour le salut. Donc, normalement, chaque église est encouragée d'avoir au moins une école pour les petits, tout ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, là, malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais si toutes les églises vont dans ce sens-là, beaucoup de choses au niveau de nos foyers, au niveau du fonctionnement de l'église, et même dans la vie communautaire, dans la vie civile où se trouvent ces églises, s'il y avait une école, le message serait encore plus puissant. Le directeur de l'école est membre d'office du comité de l'association du foyer de l'école. Nous continuons comment, quand il y a une école dans une église, comment cela fonctionne. Maintenant, voyons le conseil de l'école d'église. La gestion administrative de toute école élémentaire, primaire, secondaire, collège, relevant d'une église locale, sera assurée par un conseil de l'école d'église, élu par l'église concernée ou par un comité d'école nommé par le comité d'église. Cet organe peut être un conseil d'école distinct, le comité d'église lui-même ou un comité issu du comité d'église est nommé à cet effet. Les instructions pratiques de la division précisent quelles sont les fonctions des conseils d'école. Les membres du conseil d'école seront choisis pour leur engagement, leur adhésion aux principes de l'éducation chrétienne et leur fidélité à ces principes, leur capacité de jugement et leur tact, leur expérience dans le domaine scolaire ainsi que leur discernement financier et leur aptitude en la matière. Ils doivent être pleinement favorables aux politiques et recommandations éducatives de l'Église et être totalement disposés à les suivre. Si deux églises ou plus administrent conjointement ce qu'on appelle une école aux assises multiples, l'organe de gestion sera composé d'éléments issus des différentes églises intéressées. Un ou plusieurs membres du conseil d'école doivent être pris parmi les membres du comité d'église afin que le conseil d'école entretienne des liens intrinsèques avec le comité d'église. Le pasteur doit être membre du conseil d'école. Si l'école est administrée par plus d'une église, les pasteurs des églises participantes sont généralement membres du conseil. Le directeur principal des collèges et écoles primaires doit être membre de ce conseil. Certains membres du conseil peuvent être parents d'élèves fréquentant l'école, afin que le conseil bénéficie de leur point de vue et du conseil de parents d'élèves ayant une intime expérience de l'école et l'ayant observé de près. Les responsables du conseil d'école en seront le président et le secrétaire. Si l'école est administrée par une église, cette église élit la personne appelée à présider le conseil. Dans les conseils d'école desservant des communautés multiples, on prévoira des responsables supplémentaires, trésorier, vice-président, secrétaire adjoint. Dès la première réunion qui suit son élection, le conseil d'une école d'union élit son président, choisi par ses membres. Si les différentes parties prenantes ne peuvent se mettre d'accord, la nomination sera décidée par le conseil de l'éducation de la fédération ou par le conseil de fédération. C'est en général le directeur de l'école qui est nommé secrétaire du conseil. Lorsqu'une école dessert des communautés multiples, toute décision impliquant pour les églises qui la soutiennent des obligations financières doit d'abord être soumise à l'approbation de leur comité d'église respectif. En cas d'élection d'un conseil d'école distinct, deux approches sont envisageables pour décider du moment de l'élection et de la durée du mandat de ce conseil. Premièrement, tous les membres peuvent être élus à la fin de l'année calendaire ou fiscale et être en fonction pendant un an. Deuxièmement, les membres du tout premier conseil peuvent être choisis pour des mandats deux ou trois ans, respectivement des membres remplaçants étant choisis chaque année suivante pour des mandats de 3 ans. Cette manière de procéder a pour objet de disposer d'un noyau de membres expérimentés siégeant au conseil pour assurer la continuité de ses options. En cas de vacances en cours de mandat, le membre nouvellement élu siège au conseil jusqu'à échéance du mandat original. Le conseil ou comité d'école siège à intervalles réguliers et au même endroit ou au moins une fois par mois durant l'année scolaire. Le président du conseil d'école convoque les réunions, les préside, assure la mise en œuvre des décisions du conseil et contresigne tous les ordres de paiement établis par le secrétaire. Le président du conseil est membre d'office du comité d'inspection de l'école primaire et du collège. Ce comité d'inspection supervise ces écoles et évalue leur travail. Le secrétaire rédige et garde en permanence les minutes de réunion, établit les ordres de paiement requis
pour régler les comptes ou solder les obligations de l'école et assure la correspondance du conseil. Lorsqu'une église administre une école, la trésorerie de cette école est généralement assumée par le trésorier de l'église ou par un trésorier adjoint qui encaisse les sommes versées pour acquitter les frais de scolarité ou autres titres, effectue les versements sur ordre du secrétaire, ordre contresigné par le président du conseil, tient soigneusement le compte de tous les transferts d'argent et présente un rapport détaillé au conseil lors de chacune de ses réunions mensuelles. Lorsqu'il s'agit du conseil d'une école desservant des communautés multiples, le trésorier est nommé par le conseil d'union. Donc, vous voyez tout ceci, comment est régi, réglé, comment fonctionne une école d'église. Donc, n'oublions pas que aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, nous devons chercher par tous les moyens à répondre à l'évangile, mais l'éducation est un moyen important pour répondre à l'évangile. Et comme je le disais, le souhait de la conférence générale, c'est que chaque église ou chaque secteur possède au moins une école, surtout comme pour les petits, maternelle et primaire, une école pour pouvoir promouvoir l'éducation adventiste du septième jour. Donc, c'est quelque chose que chaque individu, tout le monde doit réfléchir, et c'est un objectif que chaque église devrait se donner au maximum pour son fonctionnement, pour avoir une vision de sur 5 à 10 ans. Y a-t-il des questions? Je sais que le chapitre était un peu costaud, mais y a-t-il des questions, quelque chose? Pas de questions, mais juste, ça me fait plaisir parce que je constate qu'à Horeb, on dira peut-être que 90% de nos enfants sont à l'école d'église. Ça, c'est quand même une bénédiction pour notre église. Tout à fait. Et c'est très bien. Et il faut continuer à encourager les enfants à participer. Je sais que ce n'est pas évident financièrement, mais c'est important, surtout aujourd'hui, dans les derniers temps que nous vivons, que nos enfants reçoivent vraiment une éducation adventiste du septième jour. Donc, la semaine prochaine, si Dieu veut, nous verrons trois départements, les ministères de la famille, les ministères de la santé et le département musique. En tout cas, continuons à prier pour les écoles en Martinique, les écoles et les enseignants, les responsables de ces écoles, afin que le message puisse continuer à être propagé au niveau de nos enfants. Maintenant, nous allons passer au bulletin missionnaire avec Carole. Alors, ce soir, notre bulletin a pour titre « Une église, deux villages ». C'est une histoire qui se passe à Taïwan et c'est l'histoire de Gao Jiuyu qui a 68 ans. Donc, il y a à peu près 3 ans, une partie de l'offrande du 13e sabbat avait servi à répandre l'évangile parmi les indigènes. Et Jiuyu fait partie de ces indigènes qui avaient été évangélisés. Et elle habite dans le nord de Taïwan. Elle nous raconte qu'elle ne possédait pas de voiture et elle ne savait pas non plus comment conduire une moto, comment aussi conduire un vélo. Et la seule façon qu'elle avait d'aller à l'église, c'était de prendre un taxi. Mais elle nous dit que ses sorties à l'église posaient beaucoup de problèmes dans son couple puisque son mari n'était pas trop d'accord qu'elle y aille. Et comme il n'était pas adventiste du septième jour, il se fâchait systématiquement quand elle allait à l'église. Elle était obligée d'aller à l'église dans sa ville natale parce qu'ils habitaient une grande ville au nord de Taïwan, mais il n'y avait pas d'église adventiste. Donc, tous les sabbats, elle faisait le trajet pour aller à l'église. Et comme son mari était malade, il ne voulait pas venir avec elle et il ne voulait pas non plus rester à la maison seule. Donc, un jour de sabbat, elle nous dit que quand elle est rentrée à la maison et qu'elle a proposé le repas à son mari a carrément jeté la nourriture par terre, en lui disant, avec une voix forte, tu ne t'intéresses qu'à l'église, tu ne t'intéresses pas à moi et tu te moques que je vive ou que je meurs. Et elle nous dit, mais non, elle se souciait de l'église, mais aussi elle se souciait de son mari, mais elle ne savait pas quoi faire. Et il lui semblait qu'à chaque fois qu'elle cherchait à être fidèle au Seigneur, elle subissait les attaques de l'ennemi. Son fils a eu un grave accident pendant qu'il faisait son service militaire et donc elle a dû quitter la maison pendant quelques temps pour s'occuper de lui. Et pendant son absence, son mari est décédé
subitement. Donc, elle s'est sentie responsable un petit peu de sa mort, car pour elle, elle aurait pu l'aider si elle était restée à la maison. Et elle nous raconte que le chagrin l'a carrément envahie et elle a eu l'impression qu'elle ne pouvait plus prier, qu'elle ne pouvait pas lire la Bible pendant au moins un mois. Mais peu à peu, elle nous précise qu'elle a réalisé que Dieu avait un plan merveilleux pour elle, un plan merveilleux pour l'église de son village aussi. Et elle a vu au fur et à mesure l'Éternel travailler dans ce sens. Elle nous raconte qu'il devait procéder à des rénovations dans l'église qu'elle fréquentait et le coût s'élevait à 100 000 nouveaux dollars taïwanais. Donc, c'est à peu près 3 550 dollars américains. Un petit peu pareil aussi, ça correspond à peu près pareil au niveau de l'euro. Et c'était évidemment pour eux, les villageois, une énorme somme. Et en plus, ils étaient des villageois, mais en plus, c'était des indigènes atayales, donc c'était encore plus difficile pour eux. Donc, les travaux, elle nous dit, se sont heurtés à de nombreux problèmes. Tout d'abord, il y a une femme, une femme qui était membre d'église, qui a été transportée d'urgence après avoir eu un accident. Donc, ce jour-là, elle nous dit, ils ont perdu deux précieuses âmes bénévoles, enfin, deux travailleurs bénévoles, puisque, bien sûr, le mari de cette femme l'a accompagnée à l'hôpital. Et ça, c'était en une seule journée. Ensuite, le seul travailleur rémunéré qui était sur le chantier, lui aussi, tout d'un coup, il a eu un coup de chaleur et il s'est évanoui. Heureusement, quelques minutes plus tard, il a pu être réanimé. Mais tout ça, tous ces petits soucis ont commencé à jeter un peu le doute dans le cœur des uns et des autres. Et malgré le fait que ce monsieur qui s'était évanoui était retourné au travail, le frère de Ziyu a commencé à douter. Il s'est dit que finalement, on avait peut-être trop peu calculé les coûts, que ça allait être vraiment trop cher et qu'il n'y arriverait pas. Et elle nous dit que non, elle a encouragé son frère à faire confiance à Dieu et à continuer à travailler. Et à ce moment, elle nous dit qu'un homme qui fréquentait une autre église chrétienne est passé devant leur bâtiment. Et quand il a vu les travaux, il s'est arrêté et il a proposé de contribuer à ces travaux. La vie est trop courte pour empêcher un chrétien d'une autre dénomination de travailler pour Dieu. C'est ce qu'il a dit. Et à la tombée de la nuit, il a remis à Ziyu une enveloppe. Et dans cette enveloppe, elle a trouvé une pile de billets qui équivalait à 6 000 nouveaux dollars taïwanais, à peu près 215 dollars américains. Pour eux, bien sûr, c'était une offre généreuse. Et lorsque l'employé, donc le seul travailleur rémunéré sur le chantier, a vu cela, cela l'a tellement touché qu'il a déclaré aux membres d'église qu'il avait décidé de ne plus se faire payer et qu'il allait continuer à faire les rénovations sans rémunération. Donc, gratuitement, il a décidé de travailler pour l'église. Et quand son frère a vu tous ces petits miracles de Dieu, lui-même a repris confiance en leurs efforts et il a loué le Seigneur. Et bien sûr, ils ont continué leur rénovation de plus belle. Et elle nous dit, Ziyu, qu'après 6 ans, la rénovation de l'église n'est pas terminée. Mais elle croit que Dieu prend soin de son église et des besoins de son peuple. Et bien sûr, elle nous dit que Dieu fait toujours ça, prendre soin de son peuple. Et elle nous demande, bien sûr, de continuer à prier pour eux. Nous rappelons que l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre permettra d'ouvrir 3 centres d'influence urbains destinés à la population indigène et à d'autres personnes à Taïwan. Nous voyons la situation de ce peuple indigène et nous continuons à prier pour que Dieu poursuive son œuvre auprès de ces personnes. Et dans la rubrique culturelle de ce soir, on nous apprend que la Fédération de Taïwan compte 58 églises
28 groupes et 6 956 membres, sur une population de 23 593 000 habitants. Donc, cela représente seulement un membre d'église pour 3 392 personnes. Selon le Pew Research Center, en 2020, la répartition des religions à Taïwan est estimée comme suit. Donc, on a 43,8% de personnes qui font partie des religions indigènes. Nous avons 21,2% de bouddhistes, 13,7% de non-affiliés, 5,8% de chrétiens et d'autres religions, 15,5%. Donc, nous voyons qu'il y a encore du pain sur la planche. Le premier adventiste du septième jour connu à entrer à Taïwan était T.S. Wang, un colporteur du Fujian du Sud, en Chine, et il est arrivé en 1907. Mais malgré les persécutions et l'emprisonnement, on nous dit qu'il a poursuivi son travail et à son départ en 1912, il y avait 10 convertis. Le travail était difficile dans la région et lorsque le travail s'est arrêté en 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale, le nombre de membres n'était qu'à 14. En 1948, après la guerre, la mission de Taïwan a été créée et la première église adventiste du septième jour de l'île a été organisée au début de 1949. Depuis, nous voyons que l'Éternel a continué à travailler dans la région, puisque comme je viens de le dire tout à l'heure, aujourd'hui, il y a quand même 58 églises à Taïwan et 6 956 membres. Donc, nous continuons à prier pour que l'Éternel aide les missionnaires, pour qu'ils puissent aussi aider ceux qui ont déjà pris la décision de le suivre, de persévérer, afin que l'Évangile continue à se répandre dans cette région. Que l'Éternel vous bénisse. Merci pour votre écoute. Bon sabbat à tous. Merci, Carole, pour ce magnifique récit. Maintenant, nous allons passer au moment important de notre rencontre ce soir, la discussion de la leçon de l'école du sabbat. Et nous sommes à la leçon 12. Nous voyons que bientôt le trimestre se termine. Et nous continuons l'étude sur le livre du Deutéronome. Et cette semaine, nous étions dans l'étude du Deutéronome dans le Nouveau Testament. Le livre de Deutéronome est l'un des 4 livres de l'Ancien Testament, Genèse, Deutéronome, Somme et Ésaïe. Ce sont les livres le plus souvent cités dans le Nouveau Testament. Selon les érudits bibliques, Deutéronome est le livre que Jésus a le plus cité, en particulier dans les moments cruciaux de sa mission messianique. La raison de la popularité de Deutéronome est le fait qu'il contienne des sermons, son ton pédagogique et son enseignement qui est très théologique. Moïse ne cite pas seulement les lois, il les commente et fait ressortir leur contenu théologique et leur intention profonde pour les appliquer à la vie des Israélites. Et pour nous aujourd'hui, Adventiste du septième jour, pour ceux qui vivent au 21e siècle, il est important de comprendre ce livre et vraiment de se l'approprier parce qu'il est en détail sur le fonctionnement, sur la manière que notre relation que nous avons par rapport à la loi de Dieu et par rapport au sacrifice que Jésus, lui, il a fait. Et cela nous permet de comprendre l'importance des deux éléments et que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Le livre de Deutéronome contient de nombreux enseignements qui constituent les fondements théologiques de la foi chrétienne. Et aujourd'hui, encore plus qu'hier, nous avons besoin de consolider notre foi parce que l'ennemi de nos âmes cherche par tous les moyens à trouver des subterfuges pour mettre en doute la loi de Dieu. Mais lorsque nous sommes vraiment basés, fondés sur la parole de Dieu, et c'est pour ceci qu'au cours de ce trimestre, nous avons étudié le livre de Deutéronome
lorsque nous sommes vraiment fondés sur la loi de Dieu, cela nous permet de vraiment rester sous les principes et vraiment de se préserver de certaines difficultés. Nous trouvons en Deutéronome la tension théologique entre la rigueur de la loi et la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est ce que je disais tout à l'heure, entre les commandements de Dieu et le sacrifice de Jésus sur la croix. C'est à partir du livre de Deutéronome que Paul établit l'idée que l'on connaît le péché par la loi, Romains 7, verset 7, que la justice n'est que par la foi, Romains 1, 17, Romains 10, 6, Romains 10, verset 6, 8 et 17, à comparer avec Deutéronome 30, verset 12 à 14. Et un détail important encore plus est l'espoir qu'un jour, le peuple de Dieu fera un avec les gentils. Romains 15, verset 10, voire aussi Deutéronome 32, verset 43. Et pour nous, c'est encore plus d'actualité. Nous avons cet espoir qu'un jour, que tous les enfants qui ont accepté, tous les êtres humains qui ont accepté Jésus-Christ seront vraiment ensemble au retour du Christ. C'est pourquoi le livre de Deutéronome a été comparé au livre des Romains dans le Nouveau Testament. Cette semaine, nous avons vu quelque chose vraiment de particulier, ou une place vraiment consacrée à la place et à l'importance du livre de Deutéronome dans le Nouveau Testament. Et on va composer cette étude en ce soir en quatre parties, où il est écrit, Jésus utilise la parole de Dieu, et pour nous aujourd'hui, nous allons comprendre qu'il est important dans notre relation, dans notre fonctionnement avec le monde, que nous avons besoin d'utiliser la parole de Dieu. Deuxièmement, apprendre à vivre selon la parole de Dieu, où la leçon profonde sur l'endroit où les humains trouvent leur source de vie et d'existence. Et l'une des questions que nous allons poser et nous devons répondre, quelle est mon espérance? Quelle est ma source d'existence? Quelle est la base de mon existence? Troisièmement, la loi et la grâce, comment le Nouveau Testament utilise Deutéronome pour expliquer la loi et la grâce. Et la quatrième partie, un prophète comme moi, Jésus retourne à Deutéronome qui le désignait. L'étude du livre de Deutéronome du point de vue du Nouveau Testament permet d'avoir une théologie complète et équilibrée. De là, nous apprendrons davantage sur le besoin vital de la parole de Dieu par laquelle nous vivons. Et ceci, et durant toute l'étude que nous allons avoir ce soir, doit rester vraiment dans nos mémoires. Apprendre davantage sur le besoin vital de la parole de Dieu. Et ça, c'est un élément que nous devons comprendre chaque jour. Chaque jour, nous avons besoin de la parole de Dieu. Si nous nous coupons de cette parole, nous nous mettons sous véritable, nous sommes dans un chemin dangereux et nous devons faire très attention. C'est pour cela que nous devons prendre le temps d'étudier la parole de Dieu, d'étudier la Bible. Et comme je l'ai toujours dit, nous avons une chance extraordinaire d'avoir ce questionnaire de l'école du sabbat pour pouvoir étudier la parole de Dieu. Prendre le temps chaque jour de l'étudier. Nous apprécierons aussi la valeur du principe « il est écrit ». Et ce principe-là doit être vraiment un élément important dans notre relation. Quand nous avons un doute quelque part, lorsque nous avons une tentation, lorsque on vient nous apporter entre guillemets un nouvel évangile, nous devons être capables de dire il est écrit. Nous comprenons aussi mieux l'interaction entre la loi et la grâce et ajusterons ainsi notre relation avec le Dieu de justice et d'amour. Et en conclusion, nous croyons aux prophéties messianiques. Le fait que Jésus utilise « il est écrit » dans Matthieu 4, verset 4, pour citer un passage du livre de Deutéronome, indique clairement que pour lui, ce livre appartient au corpus des Écritures inspirées. Il s'agit d'une expression technique qui était déjà utilisé à l'époque de l'Ancien Testament. Josué 1, verset 8, 1 roi 2, verset 3, Néhémie 10, verset 34, etc. Et plus tard dans le Nouveau Testament, Marc 9, 13, Acte 1, verset 20, 1 Corinthiens 1, verset 19, pour désigner l'autorité des Écritures.
La forme passive du verbe est l'intention grammaticale d'impliquer le sujet divin derrière ses écrits. Il est intéressant de noter que non seulement Jésus, mais aussi Satan se réfère aux écritures inspirées. Et les deux utilisent le conventionnel « il est écrit » pour introduire leur citation. Ma première question ce soir, qu'est-ce que cela vous dit? Comment vous êtes interpellé par le fait que Jésus, comme Satan, se réfère aux Écritures? Est-ce que c'est à notre avantage ou est-ce que c'est à notre désavantage? Donc, vous avez la parole. Est-ce que c'est à notre avantage ou désavantage de savoir que Jésus, tout comme Satan, se réfère aux Écritures inspirées? Alors, qui voudrait prendre la parole sur ce point-là? Sinon, comme d'habitude, Carole va nous écrire. Alors, je pense qu'il est, justement, je pense que c'est plutôt rassurant pour nous de savoir que Jésus lui-même utilise les Saintes Écritures, puisque cela nous montre bien la pérennité de ces Écritures-là, aussi la validité, parce qu'il ne fait que confirmer en utilisant que c'est vraiment la parole de Dieu et c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Mais aussi, cela nous montre bien que le malin aussi, qui est une créature de Dieu, puisque parfois on a tendance à l'oublier, hein, lui aussi est créature comme nous-mêmes. Et donc, on voit bien que même pour faire des choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, il utilise aussi la parole. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention lorsqu'on utilise la parole de Dieu, puisqu'on voit que des deux côtés, que ce soit du côté du mal ou du côté du bien, la parole de Dieu reste une référence. Et donc, pour nous, enfants de Dieu, bien sûr, cette parole doit constituer une base solide et stable, mais elle peut aussi servir à faire tout et n'importe quoi. Comme on l'a vu avec le diable, ce qu'il disait n'était pas faux. Ça venait de la parole de Dieu. Nous savons que la parole de Dieu est immuable. Par contre, le contexte dans lequel cette parole a été utilisée n'était pas le bon. Et c'est pour ça que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire très attention à la façon dont nous utilisons cette parole, parce qu'elle peut faire du bien, mais elle peut aussi faire du mal. Donc, nous devons être prudents. Si je comprends bien, tout est compliqué. Non, je ne dirais pas que les choses sont compliquées. Si on fait confiance à Dieu, si on laisse l'Esprit Saint nous guider, ce n'est pas compliqué. La chose, en fait, avec nous en tant qu'êtres humains, il faut que nous soyons alertes et que nous fassions très attention à ne pas nous laisser bercer par des chants de sirènes émis par nous-mêmes, hein, par notre moi, qui nous poussent parfois à prendre des décisions qui ne vont pas aller dans le sens de ce que Dieu attend de nous et qui ne vont pas nous faire du bien. Et on est amené, parfois, on aime utiliser la parole de Dieu pour justifier des bêtises. Et c'est là qu'on doit faire très attention. Donc, ce n'est pas, moi, je ne dirais pas en tout cas que c'est compliqué. Je dirais que c'est particulier, mais lorsque nous laissons vraiment Dieu nous guider, c'est sûr que nous faisons des choix beaucoup plus intelligents et c'est pour notre bien. OK. En tout cas, quelque chose d'important à savoir, seul Jésus pointe vers Dieu lorsqu'il utilise il est écrit. Le diable se centre uniquement sur le miracle et Dieu n'est pas important dans sa théologie. Jésus, d'autre part, se centre sur Dieu que nous devrions adorer seul. Matthieu 4, verset 10. Tout ça, c'est pour nous montrer que lorsque quelqu'un, des personnes viennent nous présenter la parole de Dieu, nous devons déjà commencé à discerner est-ce que ça vient de Dieu ou du diable. Nous avons déjà cet élément. Quand Dieu parle, tout est centré sur Dieu, tandis que le diable met l'accent sur
le miracle et non sur ce que Dieu fait lui-même. Et ça, c'est très important pour comprendre les subtilités que le diable peut utiliser en utilisant la parole de Dieu. Car il est possible de bien connaître les Écritures et de les citer tout en ignorant ou même en rejetant le Dieu qui les inspire. Et ça, c'est quelque chose que nous devons bien comprendre, car il est possible de connaître toutes les Écritures. Oui, Carole. Oui, je voulais ajouter à ce que tu disais que, encore une fois, on voit bien, ne serait-ce que par ce que tu viens de rappeler, que c'est toujours le moi qui est le dénominateur commun. Lorsque Satan a été tenté Jésus, lorsqu'il était dans le désert, après 40 jours, 40 nuits, où il savait bien qu'il était en situation de faiblesse, donc qu'est-ce que ça nous montre aussi? Que le malin vient toujours lorsque nous sommes les plus vulnérables, évidemment. Aussi, la deuxième chose, c'est que c'est toujours le moi qui est caressé. Quelles que soient les tentations qu'il a proposées à Jésus, on a bien vu que c'est toujours... C'était vraiment une manière pour Jésus de se mettre en avant. Quand il lui dit, jette-toi en bas, puisqu'il ordonnera à ses gens de se garder. Regarde tous ces royaumes, je te les donnerai si tu te prosternes et m'adores, etc. Donc, il y avait toujours ordonné à ses pierres de devenir des pains. Donc, c'était toujours pour satisfaire son égo. C'était toujours pour aller dans le sens de Jésus, pour faire plaisir, pour que Jésus se satisfasse, alors qu'on se rend compte que non, l'idée n'est pas là. Et il faut que tout ça aussi, c'est un exemple pour nous et nous rappeler qu'à chaque fois que le malin vient nous tenter, à chaque fois qu'il nous propose quelque chose, c'est toujours dans l'optique de nous satisfaire, nous. On l'a vu aussi déjà avec Adam et Ève, notamment avec Ève. Elle voulait satisfaire quoi? Sa curiosité, en fait. Donc, c'est toujours le même, franchement, c'est toujours la même chanson. Comme disait le sage, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. À nous, justement, d'avoir ce discernement, pour faire attention, parce qu'il utilise toujours les mêmes choses. C'est du déjà vu, comme on dit, sauf que c'est certainement l'emballage qui est différent, mais c'est toujours le même cadeau empoisonné. Donc, faisons attention, parce que nous pouvons le faire par la grâce de Dieu. Tout à fait. Donc, tout ceci pour comprendre que nous devons vraiment faire attention de la manière que nous comprenons la parole de Dieu. Il est écrit, mais il est écrit doit être toujours tourné vers Dieu. Et c'est là la subtilité des choses. Et je pourrais prendre, il y a de multiples exemples, mais je pourrais prendre des exemples où lorsque vous entendez beaucoup de prédicateurs qui attirent beaucoup de monde, tout ça, et leurs prédications souvent, soit ils parlent souvent du pape François et très peu de Dieu, ou ils parlent d'actualité, mais très peu de Dieu. Ces messages sont dangereux et nous devons éviter d'écouter ce genre de message. Ou on entend très peu parler. Certes, ils prennent la Bible, ils prennent la parole de Dieu, mais c'est toujours pour décrire, ah oui, le papa fait ceci, le papa fait ça, ou les hommes font machin. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Et ça, c'est très important de comprendre cela et ne pas se laisser glisser, parce que c'est comme ça l'ennemi utilise, commence à utiliser, tout le monde parle de la parole de Dieu, tout le monde connaît la parole de Dieu. Mais est-ce que la parole qu'il prêche, c'est centré sur la parole de Dieu ou ça, c'est égocentrique? Et ça, nous devons bien comprendre ça. Maintenant que nous avons compris où nous devons centrer et notre étude sur la parole de Dieu, il est important que nous puissions comprendre qu'il faut vivre selon la parole de Dieu. C'est bien de connaître les Écritures, c'est bien de connaître, d'avoir une bibliothèque bien remplie de tous les livres bibliques, concordances, plus j'ajouterai les livres de Madame Ellen White ou des livres qui parlent de la parole de Dieu. Mais si je ne vis pas ce que j'étudie, à quoi cela tout me sert? Maintenant, voyons et approfondissons cette partie-là. À la fin de ces 40 jours de jeûne dans le désert, lorsque Jésus était tenté par Satan de transformer les pierres en pain, une allusion au miracle de la manne.
Il cite un passage du livre de Deutéronome dans lequel Moïse parlait à Israël à la fin de leurs 40 ans dans le désert. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous trouvons ceci dans Matthieu 4, verset 4 et aussi dans Deutéronome 8, verset 3. Ce verset se réfère bien sûr à la parole de Dieu, comme l'indique la traduction grecque connue sous le nom de Septante, qui est citée dans le Nouveau Testament grec. Mais le texte hébreu implique plus que les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Le texte hébreu dit littéralement, l'homme vivra de tout ce qui sortira de la bouche de Dieu. Deutéronome 8, verset 3. Le verset hébreu là fait également allusion à la création des êtres humains par Dieu, ce que nous pouvons découvrir dans Genèse 2, verset 7. Ce que Moïse voulait faire comprendre est que c'est de la bouche de Dieu et non du pain que les humains reçoivent la vie. Et ça, c'est très important. C'est de la bouche de Dieu et non du pain que les humains reçoivent la vie. Il était important que les Israélites comprennent cette leçon. Et cette leçon doit être vraiment comprise par nous aujourd'hui. Gâtés par la manne qui tombait régulièrement et sûrement sur leur sol, les Israélites s'habituèrent à cette disposition naturelle et oublièrent en effet qu'elle venait de Dieu. Et nous aujourd'hui, nous étudions beaucoup, nous connaissons la parole de Dieu chaque jour, nous étudions les leçons, mais nous oublions souvent que ce que nous étudions vient de Dieu et est là pour nous former. Nous faisons des fois des études d'une manière machinale et machinalement. Nous faisons comme le peuple. Le peuple mangeait cette nourriture, elle était là, bon, elle mangeait, mais ils avaient oublié que ceci venait de Dieu, lui seul. Jésus rappela à Satan qu'il ne s'agissait pas de la puissance du miracle, mais de la personne de Dieu lui-même. Et voilà ce que Dieu nous demande par ce sens, vivre selon la parole. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose ou Carole ajouter dans cette partie, vivre selon la parole? Non, je pense qu'en quelque part, tu as tout dit. Et puis, j'ai vu dans le chat quelque chose d'intéressant qui nous dit que nous sommes invités à ne pas tordre le sens des Écritures comme Satan le fit. La parole de Dieu est la seule parole capable de répondre à nos besoins spirituels. Oui, c'est vrai que cette parole, mais il faut que ça devienne une réalité, puisqu'il ne faut pas qu'on remette en doute cette parole-là quand elle ne nous arrange pas. Et souvent, c'est ça le vrai problème. Et Israël aussi a eu le même problème, comme quoi ben, c'est un problème humain vraiment de prendre la chose qui nous intéresse. Donc, on pense que la parole de Dieu, c'est comme si on était au restaurant, donc on a un menu et on peut choisir. Non, avec Dieu, on ne choisit pas, c'est tout ou rien. D'ailleurs, il le dit dans sa parole, celui qui respecte tous les commandements mais pêche contre seul, eh ben, il est coupable de tous. Donc, on voit bien qu'avec Dieu, c'est un tout, et c'est ce tout-là que Satan n'a pas accepté à l'époque quand il était au ciel. Il a perdu cette prérogative de pouvoir faire partie des saints de Dieu, et aujourd'hui, il nous sert ce même venin qu'il a commencé depuis le ciel à faire croire que ce que Dieu dit, ce n'est pas tout à fait possible. Il y a des choses qui sont possibles, d'autres ne sont pas possibles, non. On ne peut pas jouer à ça. Il faut qu'on soit conscient que lorsqu'on décide de faire alliance avec Dieu, il faut que ce soit quelque chose de sérieux. Il faut que ce soit quelque chose de mûri. Encore une fois, il n'est pas question de perfection, mais il est question de prendre en compte le fait que Dieu nous demande de faire de réels sacrifices, de vraiment nous abandonner à lui et de faire l'effort avec la force qu'il met en nous, forcément, mais de faire cet effort de toujours aller dans le sens qu'il nous demande. Et c'est ça que le malin n'a pas su faire, qu'il essaie de nous empêcher de faire, mais nous pouvons contrecarrer cela puisque Jésus, notre modèle par excellence,
Il a montré que c'était possible. Et nous, si nous lui faisons confiance et si nous faisons confiance à sa parole, nous savons aussi, de par les différentes expériences que nous avons avec Dieu, de par les miracles qu'il fait chaque jour dans notre vie, tous les petits détails où nous voyons Dieu toujours nous faire un petit clin d'œil pour nous montrer, attention, n'oublie pas que je suis là. Même dans tes difficultés, je reste là. Si nous avons justement cette envie, cette appétence pour ce qui est spirituel, forcément, Dieu nous permet d'aller de l'avant, il nous permet vraiment de le faire avec sa grâce et nous pouvons évoluer de manière sereine. Mais pour ça, il faut que nous soyons confiants. Tout à fait. OK. Donc, n'hésite pas. S'il y a des gens sur le chat, tu n'hésites pas. Il n'y a pas de souci. Donc, maintenant, voyons cette troisième partie, la loi et la grâce. Souvent, les hommes ont voulu opposer la loi et la grâce, mais l'un ne va pas sans l'autre. Comme dans le livre de Deutéronome, l'apôtre défend à la fois la loi et la grâce, bien qu'il avertit également de l'incompréhension de ces deux principes. Quand Paul parle de malédiction de Deutéronome contre ceux qui observent la loi, Galates 3, verset 10, voire Deutéronome 27, 26, il insiste sur le fait que ce n'est pas la loi en soi qui sauvera les croyants. Et aujourd'hui, malheureusement, certaines personnes du domaine protestant évangélique utilisent ce verset pour dire que le sabbat a été supprimé de la loi. Ils utilisent ce verset Galates 3 qui dit « contre ceux qui observent la loi ». Mais si on allait dans ce sens-là, ce n'est pas uniquement le quatrième commandement qui aurait dû être supprimé. Ce serait les 10. Et juste pour justifier, et vous voyez, juste pour justifier ce rejet du quatrième commandement, on déforme un texte pour pouvoir satisfaire sa propre personne. Mais ce n'est pas ce que Paul dit. Il insiste sur le fait que ce n'est pas la loi en soi qui sauvera les croyants. Mais la loi reste toujours en place. Aux Galates, Paul soutient qu'ils ne devraient pas faire confiance à la loi du salut, car la rigueur de la loi les rendra en effet dignes de la mort. Leur effort humain pour obéir à la loi est voué à l'échec et par conséquent attire la malédiction. Pourtant, poursuit Paul, le juste vivra par elle, se référant aux lois de Moïse. La raison d'être de ce paradoxe réside non seulement dans la valeur de la loi, mais aussi dans la foi en la grâce de Dieu. Le juste vivra par la foi, un principe tiré de Genèse 15, verset 6. Paul explique et donne la clé de cette contradiction. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, Galates 3, verset 13, qui est attachée à l'observance de la loi. Paul n'encourage pas le rejet de la loi, au contraire, il renforce la nécessité de la loi. Bien que nous vivions selon la loi, c'est précisément cette vie de fidélité qui nous emmènera à la foi en Jésus-Christ qui mourut pour l'échec du pécheur. Est-ce que c'est bien compris ou il faudrait encore expliquer ce que Paul veut dire? Et vraiment, aujourd'hui, nous devons comprendre que ce n'est pas le rejet de la loi. La loi est là et indispensable. Mais la grâce de Dieu surpasse au-dessus tout, et c'est les deux ensemble. Je ne veux pas dire que je garde la grâce et je rejette la loi, ou je prends la loi et je rejette la grâce. Les deux vont ensemble. Oui, Carole. Oui, et je voulais aussi ajouter qu'il ne faut pas oublier que la loi a existé depuis avant le péché. C'est pas le péché qui a amené la loi, ou la loi n'est pas apparue sur le mont Sinaï, d'accord? Je pense que nous sommes au clair là-dessus. Cette loi-là, elle existe depuis au ciel, en fait, puisque cette loi, les anges aussi sont soumis à cette loi. Les anges aussi sont soumis à cette loi. Donc, on voit bien que cette loi, elle est immuable. D'ailleurs, on voit bien que la loi existe depuis un moment, puisque dans les 10 commandements, le quatrième, c'est bien « souviens-toi ». N'est-ce pas? Donc, on ne peut pas se souvenir de quelque chose qui n'a jamais existé. Ce n'est pas possible.
Donc, si j'ai souviens-toi, ça montre bien que c'est quelque chose qui existait bien avant et c'est une réalité, c'est une... La loi, en fait, ne change pas. Elle est immuable, elle a existé avant que l'homme ne soit créé et elle existera après que l'homme ne soit... que la Terre ne soit détruite, enfin... pas détruite, mais renouvelée, selon ce que nous dit la parole de Dieu. Donc, on voit bien que c'est une continuité. Donc, il faut bien se rappeler de ça et que cette grâce qui fait partie, bien sûr, du plan de la rédemption, cette grâce a été mise en œuvre par rapport au fait que nous ayons péché, puisque l'Éternel nous a offert cette grâce. Mais il ne faut pas oublier que cette grâce avait été aussi proposée au malin lorsqu'il a péché au ciel, puisqu'il avait cette opportunité aussi de se repentir, comme toute créature qui pêche. Donc, il a choisi de faire autrement. Bon, voilà, tant pis pour lui. Nous avons la chance, et nous, par justement cette grâce de Dieu, nous faisons le choix de servir notre Dieu. Plaise à lui que nous gardions vraiment que ce soit une volonté certaine que nous avons de pouvoir lui rester fidèle dans ce sens-là, puisqu'il est important pour nous de savoir que c'est dans la régularité, cette continuité, cette persévérance qui nous permettra d'atteindre notre but, puisque l'Éternel même dit dans sa parole, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, on voit bien que c'est dans la continuité, il faut que ça perdure, et ça, c'est important. Donc, il ne faut pas se dire, pour satisfaire justement nos besoins personnels, etc., que la loi n'existe pas, qu'on vit selon la grâce, mais que la loi est abolie, ou pire, oui, bon, ben, c'est ma relation avec Dieu, c'est Dieu qui connaît. Il faut quand même qu'on arrête de jouer à ce petit jeu, puisque nous savons très bien ce que Dieu attend de nous, n'est-ce pas? Et puisque nous savons ce que Dieu attend de nous, nous savons où chercher ces principes-là. Et puisque nous savons où chercher ces principes, nous savons que si nous avons décidé de suivre la parole de Dieu, c'est que nous avons un devoir de respect par rapport à ce qu'il nous demande de faire. Donc, à nous de ne pas nous laisser aller à tout vent de doctrine pour faire croire que finalement, bon, comme c'est Dieu, bon, on ne le voit pas trop, on peut un petit peu faire ce qu'on veut quand on veut. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a un véritable engagement qui est en jeu ici et il ne s'agit pas de jouer à cache-cache avec ce que l'Éternel nous demande. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui avait levé la main. La parole. Je laisse oui. La parole à... Vas-y. Oui, bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Bon, ça va à toi aussi. Pour ajouter à ce que dit Carole, mais c'est ce que l'apôtre Pierre disait déjà un peu dans quelques-unes de ses prédications, et notamment dans 2 Pierre 3, verset 14 et suivant. L'apôtre Pierre dit, c'est pourquoi, mes chers amis, en attendant ce jour, faites tous vos efforts pour être purs et irréprochable plutôt aux yeux de Dieu et pour être en paix avec lui. Verset 15, considérez que la patience de notre Seigneur vous offre plutôt l'occasion d'être sauvé, ainsi que notre cher frère Paul vous l'a écrit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. C'est ce qu'il a écrit, verset 16, c'est ce qu'il a écrit dans toutes les lettres où il parle de ce sujet. Et s'il s'y trouve des passages difficiles à comprendre, des gens ignorants et instables en déforment le sens, comme ils le font d'ailleurs avec d'autres parties des Écritures, et ils causent ainsi leur propre ruine. Donc, texte que vous pouvez relire, 2 Pierre 3, versets 14 jusqu'à 16. Mais là, en clair, ça rejoint un peu ce que disait Carole. Et c'est ça, c'est justement c'est des passages difficiles que les gens préfèrent. Ils ne comprennent pas trop la grâce, ils ne comprennent pas trop la loi, ils ne comprennent pas trop le sabbat, ils ne comprennent pas trop, même quand Dieu fait en sorte que ce soit le plus simplement expliqué à leur oreille, ils vont dans la direction de ceux qui ne comprennent pas, c'est difficile, mais ils préfèrent avoir leur propre opinion, leur propre sens, déformant ou bien le contexte, et puis disant tout ce qu'ils veulent dire, de façon à ce que
ça les arrange, quoi. Mais l'apôtre Paul dit bien, l'apôtre Pierre plutôt dit bien, ils causent ainsi leur propre ruine. Tout à Donc, fait. la parole de Dieu est d'une clarté et l'Esprit de Dieu nous aide à comprendre même les passages les plus difficiles. Et en ce sens, moi, je vois que si on est intéressé, si on veut fouiller, chercher, voilà, comme dit cet homme, bêcher, remuer la terre dans tous les sens, ne laisser aucune partie qui ne soit retournée. Donc, de telle sorte qu'on puisse lire cette parole et s'y intéresser, l'étudier. Et l'Esprit de Dieu va nous éclairer à comprendre pour ne pas déformer, ni ajouter, ni retrancher, ni déformer, et puis donner un sens qui n'est pas véritablement un sens. Tout à C'est fait. comme, rapidement, c'est comme quand les gens lisent, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni. Donc, les gens prennent ce texte-là pour dire que transgenre, Carole peut m'aider, c'est ce qui court maintenant, c'est les gens qui disent, ah, je suis. L'homosexualité, non, mais tout la autre chose, théorie du c'est-à-dire que. genre, la théorie du genre. Voilà, je suis femme, j'ai un corps d'homme, mais. Moi, je me vois femme. Donc, pourquoi? Parce que les gens se sont appuyés sur ce texte qui dit ni homme, ni grec, ni juif, alors que finalement, ils ne savent même pas pourquoi Dieu a inspiré cela à l'apôtre Paul. Et ils le prennent dans le sens qu'ils veulent le prendre, quoi. Ou bien, moi, j'ai de tout ce qu'il y a qui se vend sur le marché. Donc, les gens, effectivement, partent dans tous les sens et déforment. Et font, voilà. Mais j'aime beaucoup ce que l'apôtre Pierre dit ici. Ils causent ainsi leur propre ruine. Tout à fait, nous sommes tout à fait d'accord, et c'est très important. Et juste sous la parenthèse sur les personnes qui rejettent la loi, mais vous remarquez bien que c'est attiré vraiment sur le quatrième commandement. Personne aujourd'hui ne dit oui, on peut voler. Personne ne dit ça. Alors que il y a le commandement qui dit tu ne déroberas point. Mais personne ne dit que ce commandement est annulé. Donc on remarque bien que c'est on utilise la parole de Dieu juste pour satisfaire un problème qu'on a avec un commandement. Donc, oui, je continue. Mais nous sommes tenus, il nous est dit de tenus de subir la malédiction. Si nous fions, comme tu disais dans Pierre, si nous nous fions uniquement à nos œuvres de la loi, excluant la dimension de la miséricorde. Ainsi, ce sera encore pire si nous ignorons la miséricorde de Dieu et rejetons ainsi ou outrageons l'esprit de grâce qui s'est manifesté dans la croix. Hébreux 10, verset 29. Et ça, c'est très important. Maintenant, voyons cette partie, un prophète comme moi. Lorsque, sous l'inspiration, Moïse prédit la venue d'un prophète comme lui, Deutéronome 18 et verset 15 à 19, il ne se référait pas seulement à la venue future des prophètes en général. Il y eut des prophètes avant Moïse, Genèse 20, verset 27, Genèse 37, 5 à 9, Nombre 11, verset 25. Moïse avait l'esprit, le futur Messie. C'est ce qu'il avait à l'esprit. Tout comme les prophètes ultérieurs le prédirent, notez que la même expression particulière, je susciterai un prophète, fut utilisée ailleurs dans l'Ancien Testament pour décrire la venue du Messie, faisant ainsi allusion à la prophétie précédente de Moïse, de Samuel 7:12 ou Amos 9, verset 11. Ainsi, quand Jésus vint et accomplit le miracle extraordinaire de la multiplication des pains, les Juifs se souvinrent immédiatement du miracle de la manne. Et pensèrent que le prophète, comme Moïse, était venu. Jean 6, verset 14. Pas étonnant que Pierre et Étienne, qui connaissaient cette prophétie messianique, l'aient utilisée comme argument pour convaincre les Juifs de l'époque qui attendaient un prophète comme Moïse. Acte 3, versets 22 et 23. Comment, et voilà maintenant les questions que nous devons comprendre, comment appliquez-vous les Écritures? Considérons ensemble les cas où l'on connaît bien les Écritures, sans prendre au sérieux leur nature inspirée. Alors, voilà ma première réflexion. Certains peuvent remettre en cause la vérité historique, éthique et théologique du texte et ou interpréter les Écritures du point de vue des présumés culturels, théories évolutionnistes, pressions sociales et politiques. Quel est le danger découlant de ce mode de pensée pour la foi? Quelle est la solution? Alors, est-ce que l'un d'entre vous peut répondre? Est-ce que Carole peut nous aider dans ce domaine, au niveau de cette question? Quel danger découle de ce mode de pensée pour la foi et quelle est la solution? Ben, le
Je dirais que, en quelque part, Bruno tout à l'heure répondait à la question, c'est-à-dire que les gens, il est dangereux d'utiliser la parole de Dieu pour pouvoir justifier l'injustifiable. Enfin, quand on sait exactement ce que Dieu attend de nous, d'accord, il prenait quelque chose de très moderne sur la théorie du genre. Encore cette semaine, nous avons certainement suivi les informations où on apprenait que les nouveaux documents CERFA, donc le document qu'on utilise pour les passeports, pour tout ce qui est documents d'identité, passeport ou carte d'identité, on voit que maintenant il va y avoir deux paires. Alors on aura paire 2, numéro 2, etc. Alors je me rappelle pendant la semaine, sur un des plateaux de discussion, il y a une intervenante qui disait, ben, aujourd'hui, il y a un problème, certainement, il y a un mensonge anthropologique là-dedans, puisqu'on a beau vouloir mettre des papiers ou bien dire aux gens père 1, père 2, etc., pour avoir un enfant. Et elle disait bien, qu'on me dise tout de suite si les choses ont changé. Pour faire un bébé, il faut toujours mâle et femelle. Pour qu'un enfant existe, il y a toujours mâle et femelle. Donc, on aura beau vouloir décorer des papiers, etc., ça reste une réalité. Et elle disait que c'est un mensonge anthropologique qu'on est en train de nourrir et qu'on est en train de façonner dans la société. Et elle a tout à fait raison. Et on voit bien que ce n'est pas forcément quelqu'un de religieux qui l'a dit, c'est une évidence. Donc, nous voyons bien que même dans les évidences, des choses qui nous semblent simples, on voit que l'homme a envie de transformer les choses, mais c'est toujours pour satisfaire une certaine envie de vouloir mettre sa patte dans ce que Dieu a créé. On l'a déjà vu, ça, ce scénario, d'accord? Satan a déjà joué le film. On sait comment ce film va se terminer, d'accord? Donc, il n'est pas question pour nous aujourd'hui, de rentrer dans ces choses-là. Il y a encore une théorie par rapport à l'écologie. Il faut qu'on fasse très attention à ne pas devenir aussi des virulents écologistes et tout ça. Oui, on va sauver le monde si on fait ça. C'est sûr que je ne vais pas volontairement jeter ma poubelle au sol, hein, pensant que ça va disparaître ou quel que soit, c'est sûr, je vais utiliser peut-être ma benne à ordures et tout, mais c'est sûr que je ne vais pas devenir non plus l'écolo virulent qui dit oui, qu'il faut que la Terre va perdurer, etc. Alors qu'on connaît la réalité. On connaît la réalité, ce monde court à sa perte, l'Éternel a promis une transformation, il va renouveler cette Terre, il a créé et il compte la renouveler. C'est ça la chose. Donc, nous devons être vraiment, comme on dit, toute chasse gardée. On doit faire attention à la manière qu'on intervient dans les différentes questions sociales, les questions politiques aussi. Et aussi, je ne m'arrête même pas sur la théorie de l'évolution, qui est une ineptie totale si on se base sur la Bible. Aujourd'hui, personne n'entre vraiment dans ce domaine-là. On entre juste dans ce que tu disais. Voilà. D'accord. Donc, il faut qu'on fasse attention à ne pas se fourvoyer et à rentrer dans des... comment dire ça, dans de l'extrémisme. C'est vraiment ça, dans de l'extrémisme. Parce que ça nous pousse à oublier cette réalité biblique. Et ça doit être notre priorité, en fait. Dans tout ce que nous faisons, dans nos réflexions, dans nos conversations, dans notre attitude aussi, on doit montrer que nous avons une espérance. On doit montrer qu'on vole, comme on dit, on vole au-dessus du nid de coucou. On n'est pas, on connaît la parole de Dieu, d'accord? On a des certitudes parce que Dieu nous a fait des promesses. Nous avons confiance en notre Dieu et nous devons agir en conséquence. Donc, faisons attention à ne pas justement ressembler
à ces personnes qui ont l'impression que par leur intervention, ils vont pouvoir rendre cette terre éternelle, rendre leur vie éternelle, ou voire même changer l'ordre des choses que Dieu a lui-même instauré. Donc, faisons attention à ne pas tomber dans ce piège, parce que notre ennemi l'avait déjà fait et on sait qu'il s'est cassé les dents, donc il n'est pas de notre avantage de nous casser les dents là-dessus non plus. Tout à fait. Et l'ennemi, notre ennemi travaille en lui. Un exemple aussi au niveau de l'Église, aussi au niveau du mariage, où l'ennemi fait tout pour déstabiliser les mariages. Auparavant, au départ, le divorce, c'est une exception. Aujourd'hui, on nous a dit que c'est une habitude. C'est-à-dire que pour bien vivre dans l'Église, il faut se marier, se divorcer, se marier, se divorcer. C'est presque devenu un sujet banal, le divorce. Et ça, c'est l'ennemi qui met au fur et à mesure et nous éloigne des principes de l'Église. Et plus nous nous éloignons des principes bibliques, plus nous nous mettons en difficulté. Maintenant, voyons ce deuxième aspect, l'application. Oui, je voulais ajouter à ce que tu viens de dire, parce que ça, c'est un point intéressant aussi. C'est vrai que, et on parlait de choses qu'on trouve dans la Bible et qui, souvent par rapport au divorce, les gens mettent en avant le fait que l'Éternel a dit, enfin que Jésus lui-même a dit, que c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis que vous puissiez vous séparer. Mais il ne faut pas oublier qu'à aucun moment, et si je me trompe, qu'on me montre dans la Bible, où Dieu a parlé de remariage par rapport à une séparation. Et ça, on veut pas en parler, mais c'est une réalité. Il n'est pas parlé de remariage. On n'a pas cette notion-là dans la Bible. Et on doit faire attention à ne pas se fourvoyer et à ne pas se retrouver dans des situations délicates sous prétexte qu'on aura mal interprété ce qui serait marqué dans la parole de Dieu. Tout à fait. Donc, maintenant, voyons cette partie-là. Pour certains, les Écritures n'ont pas d'impact sur la vie personnelle et professionnelle, comme si le Dieu des Écritures, Ancien et Nouveau Testament, n'était qu'un Dieu de notre temps qui n'a rien à voir avec la vie quotidienne. Comment une personne qui a cette pensée existentielle peut-elle s'efforcer de rendre les Écritures de Dieu plus personnelles? Comment observez-vous les lois bibliques? Et ça, c'est important aujourd'hui de remettre Dieu au centre. Et des petits détails, des petites choses que nous négligeons, que nous laissons petit à petit entrer, entrent dans notre système, dans notre fonctionnement au sein de l'Église. Des choses auparavant qui ne se faisaient pas sont tolérées, deviennent, disons, habitudes, surtout au niveau du domaine de la musique. La révérence n'est plus là. Donc, à force de prendre des mauvaises habitudes, nous les gardons et nous, au fur et à mesure, nous les mettons plus en valeur que la parole de Dieu. Quelqu'un voudrait ajouter quelque chose ou... Bon, ben je continue. Maintenant, le sabbat. Que pouvez-vous faire pour vous préparer au sabbat dès le début de la semaine afin que vous puissiez vivre ce jour comme un temps de joie, comme un don de Dieu pour vous et non une corvée? Et ça, c'est très important. Et une clé importante de comprendre le sabbat. Et je vous donne un petit truc où on commence en note facilement en négligence. Le sabbat, c'est du vendredi, coucher du soleil, au samedi, coucher du soleil. Beaucoup, pour X, Z raisons, commencent le sabbat vers 20h, 21h et terminent le sabbat vers 14h, 15h. Et ça, au fur et à mesure, hein, au fur et à mesure, ça. Et l'ennemi joue sur ça. Et bientôt, certains diront le sabbat, il suffit d'aller au temple et c'est bon, on a fait le sabbat. Comment aujourd'hui, sans entrer dans un légalisme total, machin, comment apprécier ce jour que Dieu nous a donné, jour de repos? Mais Charles, oui. Je crois que certains ont besoin aussi des prévisions météorologiques pour ouvrir le sabbat et fermer le sabbat. Mais il me semble qu'à l'époque du peuple d'Israël, il n'y avait pas de prévisionniste. Il n'y avait pas météo France, et il n'y avait pas météo France, il n'y avait pas de monde de toute marque dans les mains. Et cependant, le message a été clair, ils ont compris. Hein. Ils n'ont pas dit, Seigneur, donne-nous une montre pour qu'on ne soit pas en retard, donne-nous une montre qui fonctionne bien, qu'on ne soit pas à l'heure à cette interrogation, à ce rendez-vous que tu nous fixes. Parce que comment on fera? Non, il y a le soleil, il y a, voilà, Dieu fera que
On va se souvenir que c'est du coucher du soleil. Et d'ailleurs, le texte dit bien, souviens-toi. Donc, se souvenir dans le sens qu'on sait que c'est d'un coucher du soleil à un autre coucher du soleil. Mais il y en a qui se disent, mais il me faut écouter la météo le jeudi soir pour savoir le vendredi quand le soleil se couche. Et voilà, il faut être précis, mais je pense qu'on peut fonctionner différemment. Hein. Si on est vraiment, on aime Dieu, même sans avoir écouté la météo, et puis ne pas se rappeler à quelle heure. Mais en fait, le gars qui faisait la météo, la dame, à quelle heure elle a dit que le soleil se couche, je ne me rappelle plus. Parce que ce n'est que comme ça que je pouvais savoir si je suis de sabbat ou pas. Non? Et c'est pour ça l'importance, comme je le disais, c'est dès le début de la semaine que je me prépare à entrer à ce jour-là. Dès que comme je me suis bien préparé, comme tu disais, je n'ai pas besoin qu'on me dise ni à quelle heure, ni la prévision, ni c'est quand je vais voir vraiment qu'il fait sombre, que je dis, ah oui, il est. Puisque je me prépare déjà à entrer dans ce jour. Et encore une manière où l'ennemi travaille en nous, c'est qu'il nous fait comprendre au fur et à mesure que ce jour-là, nous pouvons faire certaines choses, que Dieu va comprendre, que ce n'est pas grave, machin, Dieu comprend, c'est machin, mais je rends un service. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Est-ce que dans mon adoration du sabbat, je fais tout pour vraiment la gloire de Dieu ou je cherche ma gloire? Et ça, c'est très important. Et ça se prépare depuis le début de la semaine et aussi ma relation, l'étude, le temps que je passe à étudier la parole de Dieu pour laisser le Saint-Esprit faire ce travail en moi. Comment ce jour, est-ce que c'est un poids ou c'est un jour de liberté, de joie? Et comment ceux qui m'entourent ressentent ce jour-là? Et ça, c'est très important aujourd'hui. Et en tant qu'adventiste du septième jour, étudiant de la parole de Dieu, cherchant à connaître la vérité, comment nous nous préparons pour ce jour du repos? Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait ajouter quelque chose? Si, je suis interpellé parce que je me dis, par rapport à tout ce que j'ai entendu dire, j'ai une interrogation qui est venue. Ça n'engage que moi, mais je suis en train de me dire, est-ce que le sabbat, je vis le sabbat comme une routine ou je vis le sabbat comme une doctrine? c'est pas alors, ça, doctrine, oui, c'est routine, ça veut dire que je me... C'est ça, est-ce que je vis le sabbat comme une routine ou est-ce que je vis ça comme une doctrine, parce que nous les connaissons, hein, une doctrine fondamentale et on se l'approprie par la grâce de Dieu, ne serait-ce que nos croyances et l'attention qu'on porte à ces croyances, et inclut le sabbat. Donc, on connaît les origines du sabbat, on connaît l'étude du sabbat, on en dit, mais est-ce que je vis ce sabbat, ce merveilleux jour, comme une routine ou je vis ça comme une doctrine? Oui, quelle est vraiment, quelle place et comment je vois ça? Parce que j'ai beaucoup réfléchi là-dessus, j'étais interpellé une fois à me dire que le sabbat, c'est un peu comme quand on arrive, on circule en voiture, on arrive à un feu, et puis, c'est sûr que ça ne durera pas d'un coucher de soleil à un autre coucher de soleil, mais prenons cette image-là, on arrive à un feu, et puis, vous voyez comment on a envie de montrer à la pédale que nos pieds, voilà, de jouer avec... Et on est là, on attend une chose, c'est que le feu passe au vert. Oui, hein. Donc, le sabbat, c'est une fenêtre qui s'ouvre, mais c'est ça, on est devant le volant. Et imaginons qu'on reste devant le volant de coucher de soleil à notre coucher de soleil et que le feu dure aussi longtemps, on est là, mais on est pressé que le feu... Et comme oui, on est pressé de sortir du sabbat pour prendre voilà, les actes normales. Comme Pasteur Pelagie m'a dit, et bien voilà, du coup, c'est après, c'est Galéria, c'est machin. Donc, on taquine un peu avec ça, mais oui. pas seulement lui, beaucoup, on est pressé parce que là, il faut que le feu devienne vert. Tant que le feu est rouge, c'est que je suis dans le sabbat, mais il faut que ça passe. Quand ça passe au vert, ça veut dire que clôturons et clôturons. Ouvrons, mais clôturons. Après ça, on file et on passe à autre chose. Tout à fait. Heureusement. C'est vrai, et c'est quelque chose que nous devons vraiment réfléchir et vraiment... c'est un acte personnel, hein, c'est une relation personnelle. Je ne peux pas dire l'autre machin, mais moi, c'est ce que nous devons chercher. Dans ma relation avec Dieu, dans mon adoration du sabbat, à quel point je suis et où je vais. Et dernière réflexion, on parle de la dîme. Vous plaignez-vous quand vous devez mettre de côté une partie de votre salaire pour Dieu? Selon vous, pourquoi cela arrive-t-il? Que pouvez-vous faire pour recadrer votre attitude envers la dîme? Et ça, c'est très important. Si je commençais à avoir un doute
Ah, Seigneur, ce mois-ci là, la dîme là. Oh. Red, 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 red. Je suis sur un chemin dangereux. Et nous devons comprendre cela. Charles, Oui. si tu permets, je pense que cette partie-là, je pense que les anciens adventistes, entre guillemets, du septième jour, n'ont pas beaucoup aidé la nouvelle génération. Parce qu'ils ont tellement eu cette tendance à dire je paie, Oui. mauvaise expression, à utiliser toutes sortes de choses pour dire que je paie, tu paies rien du tout. Je sais pas, bon, David le dit même dans sa prière, hein, tout nous vient de toi et ce que nous t'offrons, c'est de toi que ça vient aussi. Donc, en fait, quand on n'a rien, mais je paie, je paie. Alors, la nouvelle génération, pareil, a tendance à glisser là-dedans aussi, à dire on paie rien, on remet, c'est, voilà, c'est. Et finalement, on ne fait que remettre à Dieu ce qui au départ est à lui. Hein. Tout à Il fait. dit bien, d'agir, l'or et l'argent sont à moi. Donc, en fait, c'est comme ça qu'il faut qu'on puisse voir les choses parce que c'est, ah ouais, il faut payer, il faut réfléchir, on commence à réfléchir parce qu'on néglige la notion de payer. Alors, du coup, on classe ça dans la même catégorie que une dette de voiture, que quelque chose, que les factures, quelque chose qui, voilà, qu'il faut, que les impôts et tout ça. Donc, du coup, on a une dette qu'on doit, on a une échéance, on a des dettes qu'il faut payer. Parce qu'on a décidé que la dîme dans la même colonne est simplement que le créancier, celui à qui il faut payer, c'est Dieu. Mais on ne paie rien à Dieu. Dieu nous a pas demandé de payer quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est à lui. Tout est à lui. La terre, à moi, la terre et tout ce qu'elle enferme. Donc, tu n'as rien à payer. Mais tu, comme beaucoup l'ont fait avant nous et comme on le fait toujours, on remet. Seigneur, nous t'offrons ou nous remettons. Mais le terme payer, mais beaucoup beaucoup d'anciens l'ont dit, et puis maintenant encore, on va te poser la question à un jeune, il va dire oui, je paie ma dîme. Excuse-moi, mais tu paies rien du tout. Tout à fait, et c'est très important. Je reviens, très important, et l'ennemi utilise tous les moyens. Oui, Carole. Oui, je voulais, oui, effectivement, ajouter à tout ça qu'il faut qu'on. Je pense qu'un moyen aussi très facile de ne pas tomber dans ce piège de considérer que on paie quelque chose. Et j'ai bien aimé cette notion d'impôt parce que je pensais à la même chose. On a l'impression que c'est un impôt qu'on paie. D'ailleurs, on nous remet un reçu et certains passent derrière et ils déclarent dans leurs impôts qu'ils ont rendu la dîme. Parfois, moi, ça me fait me poser des questions parce que je me dis que si je rends quelque chose à quelqu'un et que je reprends derrière, donc en fait, je donne de la main droite et puis je reprends de la main gauche, moi, ça m'a toujours interpellée. En tout cas, je Amen. me dis qu'il faut. Bon, <Amen. non, mais c'est vrai. Je me dis qu'il faut. Oui, c'est vrai, on ne fait pas mieux que le gouvernement quand il donne à droite et il récupère à gauche. Donc, en fait, je me dis qu'il faut qu'on comprenne le plan qu'il y a derrière la dîme et les offrandes. Ce plan-là, ce n'est pas une histoire d'homme. Et souvent, beaucoup tombent dans ce piège à se dire oui, c'est pour payer ceci, les pasteurs, les ouvriers, etc. Ils ne font rien, nanana. Certains rentrent dans des considérations que l'Éternel ne nous a pas données à analyser lorsqu'il a mis en place le plan de la dîme. La dîme et les offrandes, en fait, c'est une simple manière pour nous de dire merci à Dieu. C'est une manière pour nous d'être reconnaissants pour tout ce qu'il fait pour nous. À partir du moment où on met ça sur le plan de la reconnaissance, on n'a aucun mal à être généreux, on n'a aucun mal à faire cet acte de foi avec Dieu, à ne pas se poser un tas de questions. Comme tu disais au départ, ah ouais, ce mois-ci, c'est raide, 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 mais attendez. Si normalement je dis que ma vie est entre les mains de Dieu, que tout ce qu'il me donne, comme l'a rappelé Bruno tout à l'heure, ben, c'est de sa grâce, il n'y a pas de problème. Il va pas me laisser crever de faim, il va pas me laisser mourir, il va pas, puisque Dieu prend soin de ses enfants. Donc à partir du moment où je mets ça sur le plan de la reconnaissance, c'est sûr que je n'ai aucun problème à rendre la dîme et les offrandes. Mais à partir du moment où je vois ça comme une attaque personnel, de mon porte-monnaie, de mon revenu, comment dire ça, de ma contribution, hein, de ma contribution, entre guillemets, à l'œuvre, de ma contribution à partir du moment où le moi prend un petit peu le Dessus. dessus sur tout ça, on aura toujours des problèmes par rapport à la dîme et les offrandes. Donc, faisons attention à ne pas oublier que c'est un plan que Dieu a mis en place. Ce ne sont pas les hommes qui ont mis ça en place. C'est un plan que Dieu a mis en place pour permettre à l'homme de se rappeler qu'il n'est pas indépendant. Il est dépendant de Dieu.
Qu'on le veuille ou non, c'est vrai, nous avons notre liberté. Nous avons cette liberté en tant que chrétiens, mais nous restons dépendants de Dieu. D'ailleurs, Paul disait bien qu'il est l'esclave du Christ, l'esclave de Christ. Donc, c'est ça, en fait. Il ne faut pas oublier que nous dépendons de Dieu. Et c'est une façon pour nous de concrètement dire à Dieu, oui, nous avons compris, nous comprenons que c'est sur toi que nous devons compter et que c'est toi qui fais tout pour nous. Moi, c'est en tout cas, c'est comme ça que je vois le plan de la dîme et des offrandes, pas comme une obligation, pas comme un couteau sur la gorge, mais je vois ça comme une façon d'être reconnaissante à mon Dieu par rapport à tout ce qu'il fait pour moi. On peut aussi voir le plan de la dîme sur, pour ajouter à ce que dit Carole, on peut aussi voir le plan de la dîme sous cet angle-là, et notamment ces deux notions, la notion de fidélité, de générosité. La dîme, c'est une notion de fidélité, et l'offrande, c'est une notion de générosité. Bibliquement, les textes nous le montrent, Dieu a voulu qu'il en soit ainsi de tout temps. Il n'y a qu'à voir comment l'apôtre Paul l'explique et comment il a dû aussi faire face à des difficultés, enfin, à aider des églises. Donc, des offrandes, on sait à quoi ça sert. Et aussi, comme Carole disait, pour être reconnaissant à ce Dieu qui finalement, c'est de lui qu'on dépend. C'est tout vient de lui. Et c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. La parenthèse que je refermais, c'est simplement que, et ça, on en revient toujours. Et c'est d'avoir un regard sur ceux qui utilisent, pas forcément bon escient, qui utilisent et puis qui n'utilisent pas. Mais ça, c'est pas. Et forcément, c'est pas à nous, ça. C'est pas à nous de faire le procès, puisque on n'a pas la robe d'avocat, la robe de juge. Et on connaît pas, Dieu connaît beaucoup plus que nous. Et c'est Dieu qui, finalement, sachant tous les secrets, toutes les choses qu'il y a à savoir, c'est lui qui finalement décidera et c'est à lui qu'il faudra rendre compte. Donc, qu'importe qui est d'un côté les dîmes, d'un côté les offrandes, et que ce ne soit pas bien utilisé, que ce soit bien géré par ceux qui doivent le gérer. Mais même là aussi, je me dis que c'est une parenthèse qu'il vaut mieux ne même pas ouvrir et puis se garder, parce que Dieu saura quoi faire, il saura décidé quand il faudra décider. Parce que souvent, on a ce regard-là, et puis ce qui fait que beaucoup décident de tirer le frein à main. Mettons l'expression, concernant de remettre la dîme et de remettre les offrandes. Tout à fait. OK. Quelqu'un voudrait-il ajouter quelque chose avant que je puisse conclure? Donc, voici quelques questions pratiques que nous devons garder à l'esprit pour comprendre les leçons de cette semaine. Par quelle pratique ai-je encore le désir de gagner la faveur de Dieu et mon salut? Comment concilier la prédication de l'obéissance à la loi, chère au Deutéronome, et à l'adventisme, sabbat, loi alimentaire, gestion chrétienne de la victime, etc., avec la doctrine de la justification par la foi seule? Et ces deux éléments, il ne faut pas chercher à les séparer, ces deux éléments vont ensemble. Puisque j'ai la foi, j'accomplis, je dirais, l'œuvre de la loi. Parce que j'aime Dieu, je fais tout pour observer sa loi et lui faire plaisir et être en relation avec lui. Comment dans ma vie quotidienne, en dehors ou en plus du baptême, m'identifier à Christ crucifié et ressuscité? Et pour arriver à ce stade-là, il faut être constamment en communion avec lui. Comment ai-je expérimenté en moi et dans ma communauté les effets de l'action du Saint-Esprit? C'est quelque chose que tout le monde a déjà expérimenté. Le changement de notre caractère est le début de cette, je dirais, expérimentation entre nous et notre communauté. Au fur et à mesure que nous étudions la parole, au fur et à mesure que nous échangeons, nous tendons à la ressemblance du Christ et tout ce qui est mauvais en nous disparaît au fur et à mesure. Et je suis sûr que beaucoup vont témoigner. La manière dont ils étaient au début, lorsqu'ils sont entrés, je dirais, dans l'Évangile, et au stade où ils en sont aujourd'hui, il y a une évolution. Et il doit avoir une évolution. S'il n'y a pas d'évolution, il y a un problème. Car quand je suis en contact du Christ, plus j'étudie sa parole, plus je suis en relation avec lui, plus je serai à sa ressemblance, et plus il y aura vraiment cet échange d'amour de la communauté.
Et dernière réflexion, quel passage de l'Écriture me montre que Dieu m'aime malgré mon indignité et mes désobéissances? Jean 3, verset le dit clairement, net, nous indique que Dieu vraiment nous a pleinement pardonné. Donc, pour terminer, je vais demander à Bruno s'il veut bien de nous faire la dernière prière, s'il te plaît. Ouais, aussi citer que Dieu nous prouve son amour en sorte que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est venu pour mourir pour nous. Donc, effectivement, on n'a rien fait. Et qui nous a tête, Père éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons une fois de plus te remercier pour tes bontés et tes bienfaits que tu ne cesses de nous manifester et de la vie que tu nous accordes encore à cette heure. Et nous voulons, s'il te plaît, témoigner de ton amour, témoigner de qui tu es et de ce que tu fais dans la vie de chacun. Merci d'avoir pris soin de nous durant cette semaine. Nous voulons maintenant décharger sur toi nos fardeaux, nos soucis et accepter, s'il te plaît, ta sainte présence dans nos vies, dans ton Esprit Saint. Nous voulons vivre pleinement ce merveilleux jour, ce jour béni, sanctifié, ce sabbat que tu nous offres, un cadeau qui vient de toi. Merci, s'il te plaît, de nous donner d'être en adoration totale et d'être connecté à toi. Que ton nom soit glorifié, exalté, magnifié. Donne-nous de passer aussi une bonne nuit sous ton regard bienveillant, et ainsi que nos familles respectives et tous ceux qui n'ont pas pu se connecter. Nous avons une pensée pour ces personnes, nos frères et sœurs, garde-les là où ils sont. Fais-nous du bien encore une fois, nous t'avons prié dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. 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 Donc, la semaine prochaine, si Dieu veut, nous verrons la dernière leçon du trimestre, la résurrection de Moïse. Bon sabbat à tous et que le Seigneur vous bénisse.